Bonjour mes projecteurs et bon dimanche à tous. Je fais cette vidéo pour dénoncer deux choses. Je veux parler de la coqueuse de diamants pour ceux qui m'écrivent depuis que où ils sont arnaqués, ils s'est monté, c'est descendu. Mais avant, j'ai reçu un appel qui m'a fait paniquer et j'ai reçu un message qui m'a également fait paniquer. C'est la raison pour laquelle je fais cette sortie aujourd'hui. Il y a de cela plus d'un mois, il y a une personne mal intentionnée qui allait dans mon ancien compte, Maître Franco. À l'époque, quand je tournais encore les films, quand j'avais des groupes de cinéma un peu de partout, il y a un film qu'on avait tourné qui montrait l'infidélité dans un foyer. Oui, il y avait un peu des scènes comme si c'était les films bizarres. Le gars allait faire les captures et il a mélangé avec d'autres films X. Il a créé un faux profil, comme si c'était moi. Il a mis les photos là en ligne et partagé dans les groupes avec mon numéro de téléphone au nom de Dorsal TV. Maintenant, les gens, depuis plus d'un mois, les jeunes Marcel, les jeunes me supplient chaque jour les messages, les tonnes de messages, chaque jour les messages. Franco, recule-nous. Pardon, parce qu'il écrit là que je recrute les acteurs pour le film X et je paye à hauteur de 400 000 francs. Alors, je dis encore, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai caché derrière cela. Depuis, je ne voulais pas parler de ça. Je reçois les appels depuis. Je reçois les messages depuis des jeunes qui veulent se lancer dans cette histoire-là. Je dis toujours, depuis, je ne fais que répondre aux gens qui m'écrivent que ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable. C'est quelqu'un qui a fait ça. Je ne sais pas qui c'est. Donc, je dis encore, je fais cette vidéo pour dire que je ne suis pas responsable de ce compte et de ces publications-là. Ne m'écrivez plus, s'il vous plaît. Ne m'appelez plus pour ce genre. Je ne fais pas ce genre de choses. Je n'ai jamais fait ça. Puisqu'on m'a menacé que oh, toi, tu fais des vidéos chez pour censurer les jeunes. Et on voit là que tu as créé un groupe de X, de machin, de trucs que tu veux mettre les enfants. Pardon. Les gens veulent absolument dénier mon image, utiliser d'autres stratégies. L'autre là, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas moi. Je reviens maintenant sur le sujet de la diamantaire. Vous êtes nombreux qui m'écrivent. Ils sont nombreux qui m'écrivent. Oh, Franco, celle qui dit qu'elle partage l'argent, fait ceci, elle n'est pas sérieuse. C'est une arnaqueuse et tout. Certes, je ne connais pas cette dame. Mais je peux vous rassurer. Vu les actions, vu ma manière d'observer comment elle fait les choses, ce n'est pas elle qui est cachée derrière les images des gens qui vous en a. Ce sont les scammers. Sachez donc que les scammers ont acheté, même pas acheté, les scammers ont copié son style et ont créé des faux profils. Actuellement, on vous parle, il y a au moins 5 faux profils sur Facebook au nom de la croqueuse de diamants. Et quand vous écrivez, puisque vous venez seulement voir, et chaque fois que la coqueuse de diamants partage ses photos, ils partent télécharger aussi, ils viennent partager sur leur page comme si c'était elle. Avec les presse, c'est les mêmes messages. Faites donc très attention. En temps réel, ils ne devraient même pas vous ouvrir les yeux pour des choses comme ça. Comme vous aimez tellement la vie facile là. Mais, je fais quand même mon devoir. Si vous pouvez comprendre. Attention donc, quand vous voulez la vie facile, attention. Rassurez-vous que c'est effectivement à elle que vous écrivez. Beaucoup de scams, beaucoup de arnaqueurs sont cachés derrière son image. Ils vous utilisent. Comment quelqu'un veut vous aider? Et il vous demande 20 000, 30 000 pour constituer un dossier. Le dossier de quoi? Pour vous aider. Et beaucoup sont déjà tombés comme ça. Comment on a compris qu'elle partage seulement que les millions? Quelqu'un te dit qu'elle va te donner 500 000. Mais il faut 30 000 pour constituer les dossiers. Du coup aussi, tu peux faire le dépôt. Qu'après le mot ne passe plus, tu commences à appeler Franco pour dire que ouais, Franco, elle m'a arnaqué. C'est elle, sur quelle base tu. Mais vous êtes même normal. Donc arrêtez de m'écrire pour des choses comme ça. Quand vous engagez dans la vie facile, là, évoluez seul. Quand ça cuit sous vous, ne revenez plus appeler Franco, qu'au secours. Donc la vidéo, si normalement, quand je faisais, c'était pour dénoncer, c'est lui qui a créé un faux compte en mettant mes images, disant que je. Une chaîne de télé qui tourne les films X et je paye les acteurs 400 000. Pardon. Épargnez-moi de votre mot quoi, il est là. Excusez-moi. Ce n'est jamais moi. J'espère que vous avez bien compris.
Aidez-moi à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo de grâce. Que ces jeunes-là, je suis fatigué des messages chaque jour. Travaillez même, non? Cherchez à faire quelque chose même pour vous. C'est même quoi ça, la vie facile là? Vous voulez tourner les films X, on vous paye 400 000. Vous êtes tellement content. Je sais que quelqu'un me supplie même pour ça. Arrêtez ça. C'est quoi ça? Si tu es nouveau sur la page, ou bien si tu es de passage, abonne-toi. Voilà. C'est la page de l'actualité. C'est la page du divertissement. On est ensemble. Bon dimanche encore à tous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.